Regardez, vous voyez cette enseignante qui a perdu la vie. Pourquoi? Elle s'est évanouie, oui. Elle s'est étouffée et elle a perdu la vie. Grâce à un commentaire tribaliste. Oui. Un commentaire tribaliste. Donc, vous partez dans un centre d'examen. Vous partez contrôler les examens. Votre superviseur, il passe le temps à être tribal, à faire des commentaires tribalistes. Que wow, les gens, parce que ça se passait dans la région de Ngaoundéré, au nord, dans la province de l'Adamawa, oui, du Cameroun. C'est presque au nord, oui. Dans la province de l'Adamawa, oui. Donc, il paraît que ce superviseur passait le temps à faire les commentaires que les gens du centre, donc, insultaient les enseignants qui venaient du centre, vous comprenez un peu. Et ceux de la région de Meganga, ils disent que oh, les gens de Meganga, oh, c'est les villageois. Ils ne peuvent pas réussir nulle part, si ce n'est pas ici à Meganga même. Donc, les faux petits faux commentaires, vous comprenez un peu. Donc, il a fait ce commentaire-là. Ou bien, celle-ci a été vraiment touchée par ce commentaire, elle a commencé à étouffer. Elle a demandé de l'eau et tout ça. En demandant comme ça, elle est tombée. Oui. Elle est passée comme ça qu'elle a perdu la vie. Comme ça, là. À cause d'un commentaire tribaliste. Vous voyez. Vous voyez. C'est les trucs comme ça, là, qui nous apportent le malheur en Afrique. Le tribalisme, la xénophobie, tout ça, là. C'est ça. La division. Regardez ce qui se passe au Congo. Oui. Congo démocratique. Regardez ce qui se passe dans l'Amazonie. C'est pas bien. On doit apprendre à se tolérer. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, mais au moins tolérer. Il y a une tolérance. Chacun doit avoir certains principes. Dire que non, ceci, on ne peut pas faire, tel, on ne peut pas dire ceci. Même si tu vois quelqu'un de telle tribu, tu n'aimes pas, pas de problème. Tu n'es pas obligé de l'attaquer verbalement. Tu n'es pas obligé de l'attaquer verbalement. Tu es assez tranquille, oui. Tu dis, ok, non, je n'aime pas de tribu, ok. Mais ne l'attaque pas verbalement. Parce que ça engendre le mépris, la haine et tout, et tout, et tout ça. Ce n'est pas bien. C'est pas bien la famille. Nos frères congolais sont en train de souffrir. Et nos frères anglophones là-bas, dans le cas du Cameroun, ceux qui sont au Nozo. Oui, à cause des trucs comme ça là. Et vous savez, qui au Cameroun qui n'a pas été victime du tribalisme? Qui est Camerounais qui n'a jamais été victime du tribalisme? C'est le fief même du tribalisme. Oui. Donc, perdre son âme à cette enseignante. Enfin, comment c'est vraiment dommage que tu passes, tu as les enfants, tu laisses les enfants et ton mari à la maison, tu passes surveiller, tu passes surveiller les examens. Après, on appelle, on dit, votre mère est décédée, vous dites quoi? Depuis quand? Décédée comment? Elle était malade. C'est quoi? C'est accident? Non. On a dit qu'elle s'est étouffée, elle est tombée. Oui. C'est comme ça. Ou c'est la sorcellerie seulement. Elle s'est étouffée. Lui, elle est tombée. Elle est partie. En tout cas, la famille, on est ensemble. Hein? Prendre soin de vous. N'oubliez pas de liker et de partager la famille. Liker et partager. On se prend à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Hein? Bisous et hasta pronto.